Si je vous dis, il est né en 1915 à Cherbourg et il est mort en 1980 à Paris. Ah, Napoléon. Roland Barthes. Roland Barthes. Voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, on dit n'importe quel... 22 centimètres. Qui a dit, pour Maryse Druès, qui habite Belfort, ne remettez jamais au lendemain ce que vous ne pouvez pas faire du tout. C'est quelqu'un qui est né en 1842, et on n'est pas sûr de la date de sa mort. On hésite entre 1913 et 1914. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, excellente réponse de Paul Elkarat. Excusez-moi, Laurent. Mais... pourquoi ouais, vous faites venir quelqu'un qui tue l'intérêt de cette émission? Merci. Parce... En fait, il serait mort entre décembre 1913 et janvier. Ça ne vous empêche pas de dire des conneries. Non, moi je m'en fous, mais bon. Mais ça fait économiser. Mais on s'emmerde. Ça fait économiser de l'argent à la station. Mais... je te rassure, on s'emmerde plus quand tu nous racontes ta vie. Hein. Il a pas tort.